ça fait partie des matchs, peut-être ça marque aussi une carrière. Amine, pour Clément, est-ce que tu m'entends? Sifflet, sifflet. On va voir la faute et le lieu de la faute. This is the rule, I cannot do anything more. Yo, je ne vois pas de faute au premier poteau. Mesdames, messieurs, bonjour. On va essayer de préparer au mieux cette dernière séance de la saison. Allez, c'est parti. L'attaquant, il va sur le gardien de but. D'accord avec Stéphanie, allez, venez là. Oh, Stéphanie, je t'invite à venir voir les images pour un pénalty rouge pour le gardien de but sur sa sortie non maîtrisée. C'est moi le point de contact. Là, la tête. Ok. Je vais changer, je vais faire pénalty rouge au gardien. Numéro 26. Ça a glissé sur le ballon. Je vais vous mettre l'avertissement. Attention, vous êtes très en retard. Okay. Attention. C'est parti pour moi. Allez. Vérifiez bien le flow. Vérifiez bien le flow. Allez, encore. Ok. Attendez, attendez. 2, 5 et 5, 10. Juste du calme. Je vais parler calmement. Je vais parler calmement. Je parle calmement. Maintenant, ça ne sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Non, mais si, c'est rien de méchant. Mais il n'y a pas besoin. Vous êtes en train de sortir dans votre match tous les deux. Restez focus. Restez focus. Encore une fois, on sait les enjeux du match de demain. Les Auxerrois ont quand même leur destin entre leurs pieds. Les Lensois, la saison elle est bouclée dans l'absolu. Ils ne seront pas ni plus premier ni moins troisième. Ils seront deuxième. Vous êtes deuxième, Ligue des Champions. C'est bon. Je vais demander à lui, pas à moi. Vous pouvez nous laisser gagner? S'il vous plaît. C'est lui qui marque. C'est lui qui donne les balles. Marque pas, s'il vous plaît. Notre danger, je fais cette photo-là à Voskevo, c'est d'arriver dans un esprit de relative détente et de relax. Ça ne nous est pas possible. Et pour le coup, ça coupe un peu la fluidité du match, mais c'est ce qu'on disait. Sur un tel match, on ne peut pas se permettre d'être à 99%. On ne laisse pas les événements nous échapper, on arbitre et on prend des décisions, de manière à ne pas avoir un impact négatif sur un résultat et qui sait sur l'issue du championnat. Bonjour. Ça va bien? Ça va Stéphanie? Ça va bien toi? Ouais. Je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup donc content d'être sur la dernière journée et d'arbitrer et de terminer correctement la saison. Il y a beaucoup d'émotions, c'est pour ça qu'on aime le foot et qu'on est arbitre. Il y a beaucoup d'enjeux, on le sait. Donc, on est là pour être un acteur du match et faire en sorte que les joueurs puissent s'exprimer. Merci, bonne prépa à vous en tout cas. A tout à l'heure. Bien reçu également. Nickel, tout bon au niveau du son. Donc là, on va faire le test de goal line. Très simple. Je vais voir si ça fonctionne. Normalement, ça veut dire que quand ça va franchir la ligne, on va avoir un goal qui va s'afficher sur la montre. Voilà, goal. Hamid, pour Clément, est-ce que tu m'entends? On fait le test. Oui. Alors Hamid, je suis devant l'écran. Parfait. Ok, en bas à gauche, s'il te plaît. Ok, freeze. Ok, si tu peux zoomer un petit peu sur le monsieur en blanc. Ok. Pour nous, ça reste un match normal. On va faire en sorte que de faire le même travail que d'habitude et de le faire aussi bien. À tout à l'heure. Ah, ça va? Non, pas. Je peux pas là. Pas. Ça marche? Je comprends. Pas ce soir. Il y a sensible. Merci en tout cas. Au revoir, bonhomme. Le gamin, il veut juste faire une photo. Tu peux pas, si tu fais une photo, après ça... Tout à l'heure, j'ai dit la même chose à Monsieur Tube. Là, je vous le dis, pas ce soir, ça. Ok.
Il y a trop d'enjeux pour faire ça ce soir. Hein. On prend du plaisir, c'est le plus important. Je passe par vous comme d'habitude. Hein. Merci, bon match. Bon match. Bonne préparation. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Le match est là-haut. Bonsoir. Faites attention à ce gars-là. Hein. C'est bien que vous me le disiez, mais là c'est fini presque. Ouais, bah, le mal il est fait, le mal il est fait. Alors, est-ce qu'il faut que je vous suive ce soir aussi? Ah, vous aurez besoin d'un peu plus qu'un massage. Ça, je pense aussi. Ça, c'est un challenge. Ça, j'ai pris ouais. Des choses pour aller plus vite. J'ai marché sur un large dans le studio là aussi. Voilà, tout à l'heure, les gars. Pas cette attitude, c'est pas possible. Ouais, mais lui, me non, tout à l'heure, le ballon est bien pris. Il est bien pris. Tout à l'heure, le ballon est bien pris. Monsieur Mbappé, monsieur Mbappé. Monsieur Mbappé, ça fait partie des matchs qui peut-être marquent aussi une carrière. L'air de rien. Fort enjeu là. C'est pas une finale exactement, il n'y a pas un trophée à lever, mais il y a un sacré enjeu là. D'accord ? Donc on est prêt, on est préparé, on sait ce qu'on a à faire. Ok ? J'ai vraiment besoin de tout le monde. Ça marche ? Allez ! Ouais. Allez, bon match. Allez, mec. Allez, hein. Ouais. Ensemble, les mecs, hein. Allez. 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 Tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis prêt. Allez, à tout de suite, on tient un jour fort, bon match. Good game. Bon match. Bon match. Hassan, il veut vous checker d'abord. Voilà. Bleu, jaune. Tout le monde est prêt, les gars. Contrôle en cours. Goal line est OK. Contrôle en cours. Contrôle terminé, Benoît. Contrôle terminé. Voir la passe, s'il te plaît. Regarde ton bras. Ah, ça glisse. Oui. Ça glisse, vas-y. Il glisse. Ouais. Il glisse. Il glisse. Oui, c'est bon. Et vous allez soigner ? Oui, j'ai vu, tu l'as glissé, je vais mettre l'avertissement. Numéro 26. Ça a glissé sur le ballon ? Je vais vous mettre l'avertissement, attention, vous êtes très en retard. Non, okay. Mais je vous jure, madame, je vous jure, je glisse. Bien sûr. C'est lui qui a le ballon. Oui, oui, je sais, mais ça glisse. Wilfried pour Stéphanie. Oui. Contrôle terminé. Merci, tu as tout bien vu. Ok, parfait, merci. Couvert. On repart. Terrain, but accordé. Ok, ça c'est bon. Est-ce que c'est sorti? Je veux voir le long de la ligne de tout. De but. Pas de soucis. Le long de la ligne de but, c'est bon pour moi. C'est bon, laisse aller. Et au moment de la passe, si tu peux juste revenir au moment de la passe, pas de problème pour toi. Nickel, Thierry. RS. Parfait. Écoute, pour nous, Clément. But valable, coup d'envoi. But valable, coup okay. D'envoi. Ça marche. Point fort.
peu importe. Comment la vidéo? Oui. Hey, c'est qui? Je vais demander. Non, je sais que vous glissez. Mais je vous suis, mais moi, c'est qui? C'est quoi ma plongeon de gardien? C'est quoi ma plongeon de gardien? Mais moi, c'est pas mon problème. Je sais que vous glissez, mais vous plongez comme un gardien. Non. Je lui demande. C'est qui? C'est toi? Je lui demande. Ah ouais, mais le problème, c'est que le problème, c'est qu'il tire au but ou il centre. C'est qui? Le ballon. Je vous dis. C'est qui? C'est toi. Allez. T'as la loupe derrière les buts aussi. T'as un autre point de vue si tu veux. La loupe derrière les buts. Voilà, celle-là. Contrôle terminé, Jérôme. Contrôle terminé, Jérôme. Messieurs, contrôle terminé, il y a pénalty, messieurs. Merci. C'est vrai. C'est un shoot on goal, le bras il est écarté, il est pas au sol au moment du contact avec l'avant-bras. Allez-y monsieur. Tu m'entends Flo? Oui, c'est un shoot on goal, il glisse effectivement, ouais, ouais. Le bras est écarté, et il n'est pas au sol, c'est pas un bras d'appui au moment du contact avec l'avant-bras. Le 3. Attention, juste après. Le 3, c'est quoi par rapport à la faute? Ouais, ça, c'est la première faute. Et après, il y a un petit duel. Sur l'altercation, reviens au départ. Voilà. Will, tu regardes les duels, moi je vais voir les deux instigateurs. Ouais. Ok, de l'altercation. Alors, lui, c'est deux. Il me faut ces deux. Oui, donne-moi les deux. Ok. C'est lui, le 19 bleu et lui. 19 et le. Et le 8. Tête contre tête, il l'a vu. C'est le 8 rouge et le 19 bleu. C'est ça. Ok. C'est les deux joueurs qui l'appellent. Ça marche. Parfait. Avertissement aux deux joueurs. Jaune, c'est tout bon. Ok. Ok pour les joueurs. Il y a faute dans votre dos. Non, alors, franchement. Non, il n'y a pas de coup de pied, monsieur. C'est coup de pied, c'est l'arbitre. Alors, j'ai pas vu. J'ai regardé en haut, alors j'ai pas vu. C'est l'arbitre, arrêtez. On se prend comme ça. Alors, avertissement 8, monsieur Magnetti et monsieur Gouiri, numéro 19. Carton pourri un peu, hein. Ah, pour vous, carton pourri. Non, pourri. Hein? Vous avez un jaune. Vous commencez une confrontation tous les deux, donc. Y a rien, c'est sûr. Après, il y a eu le bazar, après, y a rien. Ouais. Y a pas de coup de pied, y'a rien du tout. C'est tout bon, Jérôme. Je vous demande de reculer, alors, monsieur Magnetti. Merci. Ah, ça, c'est vous, monsieur Tchoub. Ça, vous me le faites une fois, pas ce soir. Non, pas ce soir, ok? Ce soir, on joue propre, hein? On joue propre, pas de soucis. Et ça, c'est pas propre. Regardez-moi, il y a clairement faute, je veux pas d'attitude comme ça. Non, on est d'accord? Non, si. Pas faute. Faites très attention, je sais très bien que vous faites pas exprès. Mais ces interventions sur le mollet, elles sont dangereuses, d'accord? Je sais bien. Tu le sais, vous le savez. N'empêche que vous le touchez. Monsieur Sanson, on sera pas d'accord toute la soirée, formes, ok? Oui. Merci. Il touche pas le ballon. Monsieur Kwame, je me suis peut-être trompé. Excusez-moi. Vous avez peut-être raison, peut-être que j'ai une mauvaise analyse. Mais tranquille. Mais non, c'est la vie. Ça peut arriver, on est à la troisième situation. Celle-là, peut-être qu'elle est pour moi, d'accord? Venez voir, c'est là-bas. Attention, on est limite du volontaire. On est à la limite. Là, j'ai pas fait ce que je vous jure. Non, mais je vous le dis. Je préfère vous le dire, monsieur Dira. Il est au sol, c'est la tête. Ouais, mais c'est vous qui le touchez. Oui, mais c'est la tête, c'est dangereux, arrêtez le jeu. Pour moi, je passe. C'est la tête. Eh, tranquillement. Oh, mais c'est la tête. Ouais. C'est la tête, monsieur. Vous dites ma tête, c'est pas. Moi, j'ai vu le choc. C'est pour le voir avant. C'est la tête. Ouais, moi, j'ai vu le choc au niveau du. Ah, non, il est dans la tête, il prend ça. Ouais, c'est ce qu'il me dit, mais je le sais qu'après. Ah, mais monsieur, je suis la tête aussi. Et les gars. C'est bon. Ça marche. Non, j'aurais sans doute peut-être dû siffler un peu plus tôt, je suis d'accord. Messieurs, c'est bon? Oui, madame. Attention, les mains, on est dans la surface. Comme ça. Pas plus haut, non, en bande. Comme ça. Ouais, sinon derrière, il y a là-bas. Hein. Allez, il y a une caméra sur vous. Deux. Oh!
Hey, no, hey, be calm, be calm, okay. Be calm. Okay, we can speak. Yeah, yeah, yeah. Okay, be calm. There is a little, but this is my opinion. Yeah, okay, you have to respect. Okay, go. Vous avez déjà 3 cartes jaunes, d'accord? Là, il y en a encore un normalement, d'accord? Là-bas, on est les borders aussi. Vous faites le tour à votre équipe, d'accord? Je vous fais confiance. Hey, hey, c'est bon. Oh, donne le ballon. Hey, donne. Voilà, merci, messieurs. Très, très bien. Vous savez très bien, vous devez donner le ballon. Hey, c'est bon, c'est moi qui ai managé. Oh, j'ai managé. Très bien, vous avez raison. Monsieur Savigny, vous avez raison. Le message, il est passé. Vous avez bien fait, d'accord? Très bien. Jeu, c'est bon jeu. Allez, c'est le 7. Contrôle en cours, revient direct. Attends, il a signalé hors jeu. Hein. Contrôle okay. En cours. Hein. Bien sûr, bien sûr. Décision terrain hors jeu. On va regarder Jérémy. Allez, un plan serré. Moins. Plus. Plus. Moins. Moins. Peut-être un meilleur angle pour toi. Vas-y, donne-moi un autre. Vas-y, plus. Plus. Moins. Plus. Allez, celui-là, vas-y, place la ligne. C'est le 7, on est d'accord, hein, avec les chaussures orange qui a marqué. Ouais, ouais. Vas-y, place la ligne sur le 17, le genou du 17. Il est hors jeu, clair. Hein. Vas-y. Refais défiler quand même pour être sûr. Vas-y, fais défiler pour être sûr que ça soit lui, on placera la ligne après. Vas-y, laisse défiler. Attends. Ouais, c'est ok, hors jeu confirmé, Jérémy. Hors jeu confirmé. Merci, Jérémy. Jérémy, tu peux y aller. Ok. Vas-y. Sifflet. On va voir la faute et le lieu de la faute. Pour moi, sifflet la faute, elle est dedans. Alors attends. D'abord la faute. Okay. La faute, ok. Et le dedans dehors, ça m'a l'air clairement dedans. Remets-moi la CS50 avec du ralenti. Okay. Bien sûr, je vais demander. Tu me frises l'impact. Bien sûr, je vais demander. GG. Attends, c'est Florent. La faute, elle est clairement à l'intérieur de la surface de réparation. À l'intérieur, c'est clairement pénalty. Ça va aller, monsieur, la tête, ça va. Du coup, je vais vous demander de sortir, ouais. Pas de contrôle en cours, Clément, pas de contrôle en cours. Bonne mi-temps. Bref, mi-temps. Préparons-nous peut-être à une équipe d'Auxerre qui doit essayer quand même de forcer les choses. Je parle du résultat, donc venir déjà à hauteur. Une équipe de Lens qui peut-être va avoir tout intérêt à défendre un peu plus bas pour mieux contre-attaquer. C'est pas impossible que ça ressemble à ça. D'accord ? Avec ta possibilité de décision cruciale à prendre. C'est vrai que c'est pas facile. Surpris sur ce que tu avais prévu. Non, les bisous d'un roman, c'est terminé. On part. On est terminé de manière complète. Respect des process. Non, on va passer des choses. Respect des process. Allez! Là-bas. Il le touche, je suis d'accord avec vous. Ouais. Il le touche, mais c'est trop léger pour qu'il y ait de la suite. S'il vous plaît, pouvez vérifier.
sont en train de faire leur travail. Non, mais c'est vous la décision. Peut-être que vous n'avez pas la même décision que moi. Moi, je leur ai dit ce que j'ai vu. C'est pour moi, il a fait l'effort de dribbler. Il est passé. Et votre défenseur, votre coéquipier, l'a retenu avec son bras. Dès lors, c'est pénalty. Hamid pour Clément. Hamid pour Clément. Ouais. Je vais t'inviter à venir voir les images parce que le contact est très furtif au niveau du bras. Très, très furtif. Allez, je suis devant les images. Alors, alors vas-y, je te montre. Voilà, tu vas. Voilà. Regarde. Ouais, ça va. Ça va. Il y a un contact, mais c'est ultra léger. C'est un touch. C'est juste un touch. Merci, merci beaucoup. Laissez-moi faire mon travail. Non, merci, Milan. On a parlé calmement. Très bien. Je vous ai dit hier, les vacances c'est à 23h, c'est pas maintenant, faut pas se laisser endormir. Personne ne va rien lâcher sur le terrain et nous faut juste qu'on applique ce qu'on s'est dit hier. D'accord ? On ne change rien, par contre on se laisse pas endormir par tout le monde sourit, tout le monde machin. Combien de fois c'est quoi ? Quoi, hein ? C'est quoi ? Quoi, c'est quoi ? Stop, 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 stop. But accordé, coup d'envoi et avertissement au 9 confirmé. Remettez le maillot et vous savez. You know the rules. Yeah, you know the rules. So take your t-shirt. Yeah, this is the rule. I cannot do anything more. Pas fini. On reste concentré. Benoît pour Johan. Notre décision à nous, terrain, c'est but. À regarder. Possible hors-jeu. Possible offside. Wait. Il y a la hanche, là. La hanche. Vas-y, monte. Monte, ouais, monte. Attends, je mets juste... Voilà. Hop. Benoît pour Yo. But refusé. Il y a hors-jeu au départ du numéro 7, Sotoka. Pratiquement sur la ligne de touche. Qui sort ? 14. Et le deuxième, c'est qui ? C'est toi le deuxième, Laurent ? C'est toi ? Ça ferait des ordres d'applaudir, mais le carrier. Hein ? Ça ferait des ordres d'applaudir, mais le carrier. Ouais. Quand tu vas partir. Ouais. C'est le moment. C'est ce qu'il me disait, j'en ai parlé avec lui. C'est vous, monsieur Coutaleur ? Monsieur Coutaleur, c'est vous ? C'est vous qui sortez ? Ça y est, stop ! C'est vu, on la connaît tous, c'est l'expérience, allez ! Faut bien qu'il profite de ces dernières secondes ! Pour profiter un peu plus de ces dernières secondes ! Oui, oui, je suis obligé de le laisser savourer, il s'en va, ok ? On va pas en rajouter, c'est normal. Avec l'accent, ça va ! Avec moi, on met combien ? On met combien ? Franchement, là, pour l'instant, minimum 4. Minimum. Et ça, ils en rajoutent pas du tout. Ah. Attends. Ouais. Mais non ! Ça fait mal, hein ? Ça fait mal. Allez, vas-y. Thanks. Ah, y a pas de soucis. C'est moi qui... Je voulais passer... Donc, balanou alors. Ah, c'est balanou. Il y avait hors-jeu. Vous essayez. Il a dit hors-jeu. Non, non, c'est une blague, c'est une blague. Ah, vous avez une sacrée frappe, moi, je vous le dis. Il y a des buts, en fait. Il y a des buts. Comment ? Il sort très doucement, hein. Ouais. Mais comme ça me permet de reprendre juste un petit peu mes esprits, deux secondes. D'accord, après, tu mets des temps. Bien sûr. Vous le savez très bien. Ouais. Gwen, ça va ? Que je me fasse frapper et après on voit ce que ça donne. Aurélien, essaie d'envoyer le soigneur côté Auxerre, s'il te plaît. Petit truc de cuisse. On arrête le temps. Profitez-en pour boire quelques instants, les gars. Oui.
Désolé, pour le coup, ça coupe un peu la fluidité du match, mais c'est ce qu'on se disait. Sur un tel match, on ne peut pas se permettre d'être à 99%. Gwen, c'est... on tente. Si ça va pas, tu dis. Hein. Enfin, calme-toi, monsieur. Arrête ça. Arrête ça. C'est quelle mentalité, ça? Allez, non, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils veulent tuer les gens. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Non, c'est pas bon, il reste une minute, monsieur l'arbitre. Il reste, il y en aura 4 de temps additionnel. 4 minutes. Ouais, je rajouterai. Je rajouterai, il n'y a pas de problème. Okay, merci. Je tiens à l'équité du championnat et je ferai le travail. Et hier, c'est débloqué à la dernière seconde. Donc, ça se trouve, chez nous, ce soir, à la dernière seconde, il y aura un pénalty ou il y aura un hors-jeu et il faudra être là. On ne se laisse pas attendre. C'est le couteau entre les dents, comme si c'était la J1. On pourra partir en vacances sereinement et nous, on pourra se projeter sur le prochain match sereinement aussi. Monsieur Lopez! Possible de main, il demande une main. Il a sifflé pénalty. Il a sifflé pénalty. Laissez-moi. Jérém. Ouais. Jérém, c'est Jérémy. Ouais. Je préfère que tu viennes voir, la main est clairement collée, je vais te montrer tous les angles. Comme ça, tu as tout en ta possession pour parfait. Décider. Ok. Allez, viens voir. Pas de pénalty. Ok, t'as besoin de prendre ou pas ça. Non, c'est parfait, Jérémy. Ok, super. Merci. Je reprends par une balle à terre, pas de pénalty. C'est parfait, Apolline. Très bien, on la garde. Bravo les filles, bonnes vacances et bonne Coupe du Monde surtout. Bon, en tout cas, on n'a pas eu un impact négatif sur ce match-là. Non, non, c'est bien. Et les émotions, hein, la J37, J38, c'est pas rien. Hein. C'est pas plus de résultats sportifs. On gagne, surtout ce soir. Il fallait laisser vivre le jeu, il fallait que ce soit les acteurs qui décident de la fin du championnat. C'était l'objectif et c'était ce qu'on vous avait demandé. C'est ça. Donc, je vois que vous avez bien appliqué les consignes qu'on vous a demandé, donc c'est très bien. Le sportif a décidé de qui est là, c'est maintenir ou descendre. Voilà, dommage pour Auxerre. Bravo à tous, les gars. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Merci. C'est bien. Super. J'ai c'est l'enjeu, hein. C'était un match sensible, comme pas influencer le corps final du match, donc on va rentrer tranquillement. On avait un travail à faire, on l'a fait. Voilà, fin de l'histoire. C'est mitigé parce que je termine sur une situation qui est un peu assez délicate dans la surface avec une main. Je vois la main. Et je pensais qu'elle était plus décollée que ça et finalement elle est bien plus collée. Donc j'étais content que le VAR m'envoie les images pour corriger cette décision et que ce soit une juste décision. On a fait une belle saison et les deux collègues font deux grosses décisions dans les matchs aussi. Donc ils partent en confiance et on partira le prochain en confiance. Ça.